Ben moi j'ai toujours adoré Star Trek. Le trio Spock, McCoy et Kirk est génial parce que c'est un trio de comment la pensée scientifique peut aller avec l'émotion mélangée avec la pure mais logique. Mais ça, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que là, on embarque dans quelque chose qui n'a pas été vraiment créé par Gene Roddenberry, oui. Mais par l'autre Gene, qu'on appelle aussi The Forgotten Gene, qui est Gene L. Kuhn. Okay. Qui est celui qui nous a donné les Klingons, le Prime Directive, le United Federation. C'est lui qui nous a amené beaucoup d'affaires. Et c'est lui qui a développé le concept de conflit de personnalité entre McCoy et Spock. Okay. Et qui a toujours été très amusant dans la série. Mais ça, c'était Gene Kuhn qui était vraiment en arrière de ça. Mais est-ce que c'est pas un peu dû aussi à la personnalité des acteurs? Est-ce que... je veux dire, il me semble que Shatner a quand même probablement infusé beaucoup de sa personnalité dans le rôle. Puis... les autres aussi, si tu regardes Leonard Nimoy dans les autres séries qu'il a fait, il est toujours très cérébral, très posé, tu sais. Mm-hmm. Donc, je veux dire, probablement que ça s'est mis en place. Peut-être que l'autre Gene, oui, a vu ça et a commencé à jouer avec. Oui, il a travaillé avec ça pour leur donner justement les personnalités conflictuelles. C'est ça, parce qui ont perduré même jusque dans les films qu'ils ont fait par la suite. Je pense que c'est le résultat d'un travail d'équipe où t'as un peu de ça, un peu de ça, un peu oui, de ça. Parce qu'une création de film ou de série, c'est toujours collectif. Dans la série Next Generation, quand j'avais vu Data la première fois, Data marchait un pas écarté, comme un cow-boy qui a trop fait de cheval. Fait que je disais, waouh, il s'est fait une marche pour avoir l'air d'un gars qui est un peu robot. Je disais, hey, c'est le fun. Il a calculé ça, c'est vraiment... Un peu comme Peter Weller avec Robocop. Ouais. Puis là, je m'en vais à Londres, tout d'un coup, il y a une convention, puis j'ai rencontré tout dans la rue. Ils étaient tous dans la rue. Il y avait tous les acteurs de Next Generation, ils marchaient ensemble. Chacun, il en avait trois sur un trottoir, trois de l'autre, puis Data qui vient vers moi. Puis Data, sa journée de tous les jours, là, ordinaire. Là. Ouais, c'est l'acteur, là, c'est Brent Spiner. C'est écarté toi, hein. Comme s'il a fait trop de cheval. Fait qu'il n'y a pas. Il a pas créé ça, sa façon de marcher naturelle. Il a fait trop de cheval quand il était petit. Il a les jambes complètement déboîtées comme ça, puis il marche écarté. Fait que c'est. Moi, j'étais là, oh, wow, quel acteur! C'était tout à fait naturel. Travail d'équipe! Eh oui! C'est moi Traveldère, c'est lui Traveldame. On est prêt à tout pour un verre de rhum. Nous sommes les lutins de la forêt profonde, nous sommes les sirènes à la chevelure d'onde. Mais le succès de Star Trek, quand même, la série originale, est arrivé un peu plus tard, le gros succès populaire. Là. C'était plus dans les années 70. Ouais. Parce que, comme les figurines Mego qu'on voit ici, bon, il y a un original ici. Ça, c'est des repros qui datent d'il n'y a pas tellement longtemps. Là, qui est la preuve aussi de la popularité de la série. Continuelle. Hein, parce qu'on les refait encore aujourd'hui, 50 ans après. Ça date des années, quoi, 74, 75, quelque chose 1900, comme ça? 1974 pour le Kirk de Mego, okay. Qui est là, en arrière. The Star Trek USS Enterprise gift set with command chair, console, 3 telescreen cards, and 5 Star Trek action figures. Place Mr. Spock or any Star Trek figure into the transporter room. Spin the control knob and press the button. Mr. Spock disappears. Pretend he's left the deck of the Enterprise for outer space adventure. You can capture the Klingon and bring him back to the Enterprise. Star Trek USS Enterprise gift set. Star Trek action figures also sold separately by Mego. C'est ça. C'est lorsque l'émission est arrivée en syndication, c'est pour que là, elle pouvait diffuser, n'importe quel diffuseur pouvait diffuser à n'importe quelle heure. Oui, c'est ça. Elle n'était pas juste sur NBC, donc il y avait beaucoup plus de visibilité. Ça pouvait être un paquet de distributeurs locaux qui pouvaient la mettre sur n'importe quelle plage horaire. Alors, c'est là que l'émission a vraiment connu sa popularité. Et probablement plus avec les enfants aussi, parce que souvent en syndication, ils passent ça comme à 4 heures l'après-midi ou quelque chose comme 5, ça. 5-6 heures, c'est durant souvent c'est à l'entour du repos familial, du repos familial où toute la famille était allumée à la TV en mangeant, puis « Ah, c'est une autre émission avec Spock! Ouais. » Là, ben, ils voyaient, puis ça avec roulait, le docteur Spock! Oui, exactement. Moi, je me souviens d'avoir vu cette émission-là, c'était à Radio-Canada, puis c'était un peu avant l'heure du souper. Alors, c'était une bonne heure pour les... Pour toute la famille, c'est ça, ouais, c'est pas juste vraiment. Pour ceux qui trippent sur la science-fiction, puis tout ça, là. «
Donc, c'est pour ça que là, les jouets sont arrivés, j'imagine. Oui. Parce qu'avant ça, c'était plus... Mais puis, quoi que... C'était rendu quotidien. L'émission, elle jouait tous les jours. Oui, c'est ça. C'était pas une ça. Fois par semaine. C'était, elle jouait à 5 heures. Le lendemain, elle rejouait à 5 heures. Le lendemain, elle jouait à 5 heures. Puis quand ça faisait 5 mois, whoop, on revenait au premier épisode. Ouais. Puis on continue, puis on continue. Pendant 15 ans, c'était le même sans arrêt. C'est ça. Donc, ça n'a pas arrêté de jouer. C'est là que ça rentre dans la conscience collective. Mais à je pense donné. Qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait des diffuseurs qui ne suivaient pas un certain ordre. Wow, ben alors là, on avait une émission en deux parties. On voyait la première, disons, en septembre, mais la deuxième partie, on la voyait beaucoup plus tard en saison. Alors, ça, ça arrivait. Ça, surtout ici au Québec. Ouais, pas ici, mais je veux dire là-bas au Québec, quand on était jeune, c'était vraiment en n'importe quel ordre, comme toutes les séries télé, il y avait vraiment zéro ordre. Mais je disais que ça s'est mis à intéresser les enfants plus quand c'était en syndication. Mais en fait, les comics datent de 67. Donc, ils ont commencé un an après que la série soit commencée. Bon, ça a runné jusqu'en 79, les comics. Mais donc, je veux dire, il y avait quand même un attrait pour les jeunes. Quoique les histoires là-dedans sont beaucoup moins cérébrales. Ouais, c'est plutôt des résoudre des problèmes d'attaque souvent. Hein. Si on s'est attaqué, il fallait qu'ils se défendent. Évidemment, quand tu regardes la bande dessinée, tu as des copies francophones. Ouais. Il faut se rappeler que originalement, c'était produit par une compagnie qui s'appelait Gold Key. Ouais. Et effectivement, cette compagnie-là, parmi ses multiples spécialités, faisait un énorme nombre d'adaptations en bande dessinée. Men from Uncle. Il y avait tout, mission impossible. Je voyais même cette semaine qu'il y avait eu l'adaptation de Fireball XL5. Oui. Hey, les couvertures de ces comics-là sont absolument superbes. Et les Banana Split aussi. Comment tu veux adapter les Banana Split? Et qu'est-ce qui se passait dans ce show-là? C'est assez bigarré, en fait. C'est un bon mot, bien choisi. Mais les comics, à cette époque-là, c'était très populaire auprès des jeunes et c'était un moyen de diffusion qui était un peu dispendieux pour faire la promotion de l'émission. Exactement, ça servait plus de véhicule de promotion. C'est en fait la dynamique exactement inverse de celle qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est ça, tout à fait. Les maisons de bande dessinée Marvel, DC fondent leurs plus grands espoirs sur l'éventuelle adaptation à la télé. C'est une dynamique inversée. Tout à fait. Effectivement, quand on regarde les jouets qu'on a aujourd'hui, quand on regarde les superbes reproductions de Communicators, quand on regarde les livres, on s'adresse surtout à un marché adulte. Oui, le marché des geeks. Le collectionneur, marché des geeks. D'ailleurs, ici, la compagnie Tops, la compagnie Tops, qui est connue pour ses cartes à collectionner, a produit un livre dans lequel on a catalogué en fait toutes les cartes. Recto verso, recto verso. On nous explique tout avec des factoïdes qui sont en dessous, dont le fameux Spot Brain. On tombe toujours sur celui-là. Spot Brain. Et on en a profité aussi pour inclure dans le livre. Des cartes qui n'étaient pas diffusées à cette époque. Parce qu'il n'y a aucune carte à l'époque où on voyait Sulu. Ah ouais, à cause de le sentiment un peu anti-japonais un de l'époque. Peu anti-japonais. Et on a aussi, on n'a pas seulement visé le marché vraiment adulte, mais on a aussi un jour visé les vrais de vrais geeks. le dictionnaire Klingon. Le fameux dictionnaire anglais Klingon. Et c'était quand même assez avant-gardiste. Ceux qui sont familiers aujourd'hui avec la fameuse série Game of Thrones. Il y a un langage là-dedans, le langage des Dothraki, qui est parlé, et c'est un vrai langage. C'est un vrai langage qui a été créé pour l'émission parce que les acteurs qui doivent l'utiliser doivent connaître ce qu'ils disent. Alors, dans Star Trek, on avait créé le langage des Klingons et on avait fait appel à Mark O'Kren, qui est un linguiste, pour créer justement une syntaxe, un phrasé. Une syntaxe, un phrasé, une façon de penser. Plutôt que simplement utiliser la syntaxe anglaise ou le. On a un exemple ici, là, c'est pas du n'importe quoi. Là. Ça, on explique vraiment les syntaxes de grammaire, les mots à utiliser.
utilisés. assez curieusement ou pas, il y a des gens aux États-Unis qui parlent couramment le Klingon. Fluent. Oui, ouais. Ils parlent Klingon fluent entre oui. eux. Oui, oui. J'en ai rencontré en Angleterre. Et ça parle Klingon entre eux. Ils sont très fiers de... T'as l'air fou, t'as aucune idée de quoi ils parlent. Ben oui, c'est ça. Je comprends. Kapla! Bon là, OK, ça je sais c'est quoi. Oui, mais moi je sais sont pas. Succès. Oui, voilà. Ah, OK. Kapla, c'est succès. Mais, il y a quand même... Ils sont toujours fiers de dire que Shakespeare est meilleur en Klingon. Oui. Oui, mais ça, c'est une phrase qu'on a entendue de toute façon dans... Mais ils ont traduit les livres de Shakespeare. Ils sont en Klingon. T'as la tempête. C'est d'ailleurs ce que disait le personnage de Christopher Plummer. Oui, c'est ça. Oui, dans le sixième. Il disait, mais vous n'aurez jamais lu Shakespeare si vous ne l'avez pas lu en Klingon. Exactement. Mais qu'est-ce qui distinguait le concept de Star Trek des autres shows de science-fiction, mettons? Mais si on prend le contexte socio-culturel qui existe aux États-Unis dans les années 60, ouais. Dans les années 60, la ségrégation elle est encore très puissante. Mm-hmm. Bon, c'est Malcolm X, Martin Luther King et puis tout ça. Alors, c'est encore quelque chose qui est très actif. Okay. On a aussi la guerre froide avec l'Union soviétique. Et là, on arrive avec l'équipage de l'Enterprise, où il y a aussi Sulu qui est un Japonais. Ouais. Il faut comprendre qu'il y a encore du ressentiment envers les Japonais. C'est 21 ans seulement après la fin de la Deuxième Guerre. Il y a encore un ressentiment anti-japonais qui existe aux États-Unis. D'ailleurs, il y avait des objets qui étaient fabriqués au Japon, qui étaient vendus aux États-Unis, et c'était marqué « Foreign Made ». Oui. Au lieu d'être marqué « Made in Japan ». Il pouvait pas mettre « Japan » dessus. Oui. Alors là, on a quelqu'un qui occupe une position importante, c'est le navigateur, c'est Sulu qui est un Japonais. On a Tchekov, qui est un Russe, ouais, et on a... C'est vrai, hein? En plein contexte de guerre froide, en plus. Oui. Mais Tchekov, qui est une addition en deuxième saison. Oui, ils ont mis seulement en deuxième saison. À cause des Monkees! Oui. Un mélange des Monkees, puis un critique russe qui a dit « Ouais, mais il n'y a pas de Russe. » Oui, non, mais je veux dire, la coupe de cheveux et tout, on aurait dit Davy Jones des Monkees. Oui, 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 tout à fait. Puis on a évidemment Uhura. Oui. On fait que nommer ce nom, puis tous les gars font. Oui. Ah, mais ça peut se corser, puis c'est compliqué. Gene Roddenberry est marié, puis a une famille. Il y a une maîtresse, c'est Majo Barrett, qui joue dans le. Nurse Chapel. Fait qu'elle a joué Nurse Chapel dans la série télé, mais dans le pilote, elle était le numéro un quand le concept. OK, oui. Et ça, c'est quelque chose que les diffuseurs n'appréciaient pas. Et en plus, ça se compliquait encore plus, parce qu'il y avait une autre maîtresse, c'était. Michelle Nichols. Ah ouais? Oui, oui. Fait qu'à un moment donné, il y avait sa femme qui voulait divorcer, il y avait Majo Barrett qui voulait être tout le temps avec lui, puis il y avait Michelle Nichols qui a dit « Oui, OK, j'ai couché avec toi, j'ai eu le rôle, mais là, qu'est-ce qu'on fait de notre relation? » Relation, ça s'en va où? Ça faisait des journées longues et exténuantes pour Gene Roddenberry. Ben, d'ailleurs, Nicole Nichols a voulu quitter Star Trek. Et elle a eu une discussion avec Martin Luther King. Oui. Et Martin Luther King lui a dit, tu dois rester là parce que ce que tu fais là, c'est extrêmement important. Important. Ouais. Le seul autre show où il y avait une noire,
c'était Mannix qui était faite par la même maison de production en même temps sur le site de Paramount par Desilu, et c'était la secrétaire de Mannix qui, Mannix, l'acteur Mike Connors, a insisté que ce soit cette actrice noire. C'était les deux seuls personnages qui avaient un rôle. C'était des femmes en plus. Ouais. Parce qu'on n'avait pas de noir homme. C'est vrai, hein? Dans les séries télé. Ben, à part, bien sûr, Au Pays des Géants, où le copilote, c'est Luc, qui est noir. Oui, donc Luc, toi qui es notre spécialiste des jeux de société, tu dois avoir des jeux de société de Star Trek. Il y en a une grande infinité, puis il y a aussi beaucoup le fait que c'est beaucoup des jeux de combat souvent. Les séries de jeux de rôle qui étaient Starfleet, qui, je pense qu'il n'y a pas assez de place ici pour mettre tous les livres de Starfleet de jeux, mais... Mais ça, ce n'est pas vraiment des jeux de société, c'est pas des board games. C'est pas des board games, mais déjà avec... La popularité du jeu de jeu à collection de Star Trek, ils ont sorti un truc complètement débile, c'est Tribble. Okay. C'est un jeu avec les Tribbles qui n'arrêtent pas de se multiplier. Fait que c'est un jeu de cartes, puis de 1 se multiplie à 10, à 100, à 1000, à 10 000, etc. Il faut que tu te débarrasses de tes Tribbles, puis tu n'y arrives jamais. Il y a tout le temps des Tribbles qui se multiplient. Fait que c'est très sympathique. C'est un genre de jeu de patience compliqué où ce que les autres coéquipiers t'empêchent de débarrasser de tes Tribbles. C'est très sympathique, c'est très cute. C'est avec des cartes, des super photos, des émissions originales. Mais je trouve, moi, qu'il irait faire un jeu de Trouble avec des Tribbles. Tu sais l'affaire que tu appuies sur la bubble au milieu? Oui, oui, avec des Tribbles. Mais... Tu sais, la compagnie Decipher qui a fait des milliers de cartes, de toutes sortes de cartes avec des variations. Comme maintenant, tu joues au jeu, comme je vous ai expliqué, mais maintenant, les Ferengi sont dedans maintenant avec Deep Space Nine, puis les Ferengi jouent avec leurs propres règles. Eux font pas d'exploration, eux, faut qu'ils fassent des acquisitions. Fait que c'est toutes sortes de cartes qui sont seulement des cartes qui servent à ramasser des acquisitions. Fait que c'est très très drôle. Fait que c'est une variation qui joue en parallèle avec le jeu. Fait que si tu joues Ferengi, les joueurs peuvent juste te donner du trouble ou t'attaquer pour t'empêcher de faire tes acquisitions. Ouais. Parce que toi, tu joues en parallèle avec le jeu. Mais tu peux les donner des embûches. Parce que t'es un Ferengi, tu vas faire du cash avec eux autres. Puis le jeu Tribble a été un jeu en parallèle aussi. Okay. Que tu peux amener dans le jeu, mais tu peux jouer séparément complètement. Il y a eu aussi d'autres affaires intéressantes. Les jeux West End ont sorti des magnifiques jeux. Ça, c'est les Enterprise Encounter. Okay. Ça, c'est un jeu assez sympathique. Je trouve qu'il est bien réalisé. Le plateau est un peu surréaliste. Là. On dirait que c'est pas au milieu. Puis on dirait qu'il n'y a plus trop de champignons. Là, puis, mais ça répète un peu le genre de ce que l'émission est supposée d'être. C'est que tu t'en vas de planète en planète. Puis tu rencontre des dilemmes, des problèmes, et tu dois essayer de communiquer ou utiliser la diplomatie. Donc, c'est vraiment un jeu sur la philosophie de Star Trek. Sur la philosophie de Star Trek. Fait que okay. Celui-là est très intéressant, The Enterprise Encounter. Complexité, c'est supposé d'être genre Monopoly, là. Deux. Ah ouais? C'est relativement simple. Ah, mais on pourra en jouer peut-être dans une de tes futures chroniques. Oui, c'est vraiment plutôt réussi. C'est des petits bouts de carton, là, parce que c'est ce genre de jeu-là. Il y a aussi, quand il est sorti Star Trek 3, la mort de Spock, mais elle ressuscitait. The Search for Spock. La recherche de Spock. Quand ils ont sorti Star Trek 3, la recherche de Spock. Ils ont sorti ce jeu-là qui est intéressant parce qu'on ne recherche pas Spock dans ce jeu. C'est encore West End Game. C'est trois jeux dedans. C'est des jeux solo en plus. Okay. Mais le jeu le plus intéressant, c'est le Kobayashi Maru. Oh, le fameux Kobayashi Maru. Fait qu'on a le jeu. Ouais, qu'est-ce que ça donne de mettre un jeu qu'on ne peut pas gagner? C'est trois jeux solitaires. Il y en a un, c'est sauver l'entreprise d'un problème de gravité sur des planètes. Être prisonnier sur la planète Sherwood, où ce que on revit le temps de Robin Hood, mais avec nos amis Spock, McCoy et Kirk. Mais le Kobayashi Maru, c'est génial. On a un grand entreprise, un plateau, et avec l'engine, l'air, le. Puis là, ben, tout se détruit tranquillement, puis toi, t'essayes de
t'en sortir, mais... C'est finalement juste une gestion de crise. C'est une gestion de crise. C'est comme ça, le exactement, Kobayashi Maru. Ouais. Le Kobayashi Maru, c'est le test que tous les gens de Starfleet doivent passer. Et c'est un truc où ce que tu vas tout perdre. C'est ça. C'est la gestion de crise. Alors, c'est un jeu fascinant. Il paraît que tu peux t'en sortir. En trichant, comme Kirk a fait. Ben, il y a Kirk qui a triché, puis il a changé l'ordinateur pour pouvoir s'en sortir. Mais... Oh, attends, ça, c'est dans le film. Dans le film. Dans les nouveaux films. Oui, mais dans la légende, c'est vrai. C'est ça qu'il a fait. C'était ça qu'il disait. Il avait changé le programme. Il avait changé le programme pour pouvoir. C'était ça, exactement. Ok, l'histoire. Je pensais pas. Il croyait pas à une situation où il n'y avait pas de sous. Il pouvait pas. Ouais. C'est ça. Exactement. Okay. Fait que là, on a reproduit ce jeu-là, cette situation où ce que le Kobayashi Maru ben, est en train de se faire avoir, puis t'arrives avec ton vaisseau, puis t'es supposé de l'aider, puis là, ben, toutes les Klingons te sautent dessus, puis te mettent la gueule. Fait que ça, c'est bien fun, j'ai le Kobayashi Maru là-dessus. Fait que j'ai bien aimé ça. Mais, il y a un jeu qui est vraiment intéressant, qui vraiment apporte beaucoup dans l'esprit de Star Trek, c'est la version Catlan. Okay. De Star Trek. Alors, le fameux jeu de Catlan qui est on vit sur une sorte d'île un peu médiévale et avec ça, on doit faire des échanges et du troc entre les moutons, le bois, le charbon, les fermes. Les gens s'entraident et puis celui qui arrive à avoir une meilleure entraide avec les autres sur les. C'est ça, les colons de Catlan. C'est un jeu très célèbre. Ça a rapport à quoi avec Star Trek? Ben Star Trek, c'est la gestion des planètes. OK. Et la gestion de la fédération. Les planètes sont là pour s'entraider et les entreprises, parce qu'il y a plusieurs entreprises dans le vaisseau, chacun veut être la meilleure entreprise, fait qu'il va de planète en planète pour aider la colonisation puis les échanges commerciaux et culturels. Mmh. Alors, c'est une très bonne, intéressante version. Comme vous voyez ici, on a toutes sortes de planètes, puis on a plein de petits vaisseaux et des stations spatiales. On pose des stations spatiales et on essaie de faire du troc et de l'échange culturel. Un peu comme Star Trek, l'idée de Star Trek. Mm-hmm. Fait que ça, c'est beaucoup plus près de l'esprit Star Trek. C'est très intéressant comme jeu. Et c'est magnifique avec les mini-vaisseaux, ben oui. Les stations spatiales. C'est vraiment un magnifique objet, un magnifique jeu. Et le concept de Star Trek et de Catlan est mélangé ensemble d'une façon non artificielle. Pas comme tous les jeux de Monopoly artificiellement. Ouais, que c'est vraiment l'affaire où il faut acheter des terrains, puis ben ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport à Star Trek, par exemple. Ouais. Mais ça a un très beau jeu. Ouais. Un très bon. Intéressant. Alors, c'est parmi mes quelques nombreux jeux de Star Trek. j'en ai eu d'autres, là, mais je me suis limité à ceux-là. Je trouve que c'est ceux qui valent la peine d'être mentionnés. Okay. Lui est très, très facile à trouver dans les magasins en ce moment. Okay. Les Westens sont très, très difficiles. Mais si tu connaissais le concept de eBay, oui. Probablement qu'on les trouve sur eBay. Celui-là, je l'ai trouvé dans un marché aux puces à Londres. Okay. Ça, c'était complètement par hasard. Et celui-ci, je l'ai trouvé dans une friperie à Vancouver. OK. Dans le fond d'une friperie, il y avait ça, tout emballé, tout neuf. On trouve tellement des belles affaires, des fois, ouais. J'étais, mais c'est le jeu que je veux. Ben voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Fait que vous voyez, si on veut s'amuser dans l'ambiance de Star Trek, il y a plusieurs jeux qui peuvent nous permettre et il y a plein d'ambiance. On peut se mettre des t-shirts. Oui, il y a du monde, hein? Assez fou pour porter des t-shirts, oui, des affaires même, comme ça. Et même avoir la bague de graduation de Starfleet. Ah oui, t'as ton certificat sur ton mur de graduation. Excellent. Mais aussi, n'oublie pas que les vrais de vrais amateurs, s'ils veulent jouer avec l'ambiance, peuvent utiliser aussi des trames sonores comme celle-là. Oui. Ça, évidemment, c'est en 33 tours. On ne le retrouve plus, évidemment, en magasin. Mais ça existe tout. Ça a été réédité en CD. Mais on peut les télécharger sur iTunes. Comme on peut avoir aussi les trames musicales des trois saisons de Star. Ça, c'est celle du pilote de 1964. Oui, voilà. The Cage et Where No Man Has Gone Before. C'est quelque chose que probablement tu avais trouvé dans ses archives. Alors, très bonne chose si on va avoir un petit accompagnement musical. Tu as un appel? Oui, ben oui, je vais faire ça. Pardon? Ah! Oh! On nous appelle.
OK, bon, ben, falloir retourner. On a encore d'autres planètes à sauver. Ben, merci beaucoup, les gars, de votre passage sur notre planète et sur ma petite île de bébelleux. Mm-hmm. Ça a été bien le fun de vous recevoir. Fait que là, je vais vous revoir, j'espère, pour vos chroniques individuelles. Vous allez repasser dans le coin, oui? Oui, on peut faire des petits détours avec le... On peut faire un petit détour de temps en temps. Oui, super, oui. Gênez-vous pas, moi, je suis pas sorteux, puis vendredi non plus, fait que... Bien qu'on a appris à supporter la chaleur. C'est justement, c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est grâce au drink rafraîchissant qu'on supporte cette chaleur. Il y en aura toujours un qui vous attend sur l'île, puis un beau collier de fer. Faut pas le dire que là, il fait moins 12 aujourd'hui. Il y a trop de glace dans ton drink. Ouais, ça doit être ça. Fait que merci beaucoup, les gars. C'est toujours fascinant de vous voir vous téléporter. Ça me fascine. Donc, à bientôt. Ben, avec plaisir. Fait que... On y va? Messieurs? Scotty, 3G beam up. Ah, shit! Bon, ben, coudonc. Chers amis bébelleux, j'espère que vous avez aimé notre émission de Star Trek qui est en deux parties, deux semaines d'affilée avec du bébelleux naufragé. Mais là, on n'a pas eu le temps de faire le courrier des bébelleux, par exemple. Donc ça s'en vient la semaine prochaine, mais plutôt autour du mardi, mercredi, j'ai l'impression, parce que vendredi, oui, on a un nouvel épisode du bébelleux naufragé qui est un autre spécial sur une autre série un petit peu moins culte. Moins connu, je dirais, mais quand même très culte, et qui fête encore ses 50 ans cette année. C'est fou tout ce qui fête ses 50 ans cette année. Batman, Star Trek, cette série-là, et bien d'autres choses. Donc, retrouvez-nous la semaine prochaine pour deux épisodes. Un épisode du Courrier des Bébelleux et un épisode du Bébelleux naufragé. Oui, on est reviré fou. Everything is for sale. Non. Valeur de bébelle. Bon, que j'entends. Je pense que je reconnais cette voix-là. Eh oui, c'est moi, ouais, dans les cadres, là. Ça, tu voulais encore voler des bébelles? Ben non, c'est pas la question, c'est juste qu'il les laissait là, les bébelles. Je me suis dit, ça va aller dans ma collection, c'est tout. C'est une vraie fixation que t'as. Non, c'est pas une fixation que j'ai, c'est... Écoute, il non, t'en auras jamais assez. Faut que le temps que tu ramasses tes affaires pour mettre dans ta petite collection là, je me rappelle pourquoi je suis parti. Ça fait un an que je suis là. Je m'ennuie pas de moi. Thank you.